Dans le sud du Finistère, le chemin des douaniers mène à une station balnéaire pas comme les autres. Au lieu de la villégiature au XIXe siècle, Begmail, le village bénéficie d'un environnement privilégié. Au cœur de la réserve naturelle de Mousterlin, le chemin des douaniers s'étire entre mer et marais côtiers. Le sentier côtier, il est au cœur de nos activités. C'est le chemin qu'on va emprunter et qu'on va faire emprunter à nos vacanciers pour pouvoir profiter du littoral. On aperçoit là le tout début de la mer Blanche. On est sur une formation naturelle avec le sable qui s'amasse petit à petit, qui crée un bras de mer avec des couleurs éclatantes, magnifiques. La mer Blanche est une lagune où l'océan pénètre au gré des marées, créant des paysages en perpétuel mouvement. À droite, l'eau commence à diminuer. On est toujours dans le polder de Mousterlin, mais on voit que la partie est beaucoup plus asséchée. Ça crée des tourbes et des petits chemins sinueux. De temps en temps, on fait des crochets à l'intérieur des marais. On change complètement d'univers. C'est magnifique. À l'est, changement de décor. Le sentier côtier surplombe les petites criques de Begmail. La station balnéaire connut son âge d'or au XIXe siècle. Ici, c'est le chemin creux, une de mes parties préférées du sentier. On vient de passer la pointe de Begmail et on arrive vers la cale. Les chemins sont beaucoup plus sinueux, ça tourne, on est au milieu des criques et on découvre après chaque tournant une nouvelle crique, un nouveau paysage, les rochers. On a le sentier qui a été creusé parfois dans la roche et qui vient s'insérer au bout des villas. Puisque au XIXe siècle, on a des grands industriels et des artistes qui sont venus s'installer sur Begmail, qui participent à sa renommée. Marcel Proust, Sarah Bernhardt, Théodore Botrel, qui est un poète breton, qui ont permis aussi au coin de se faire connaître. Alors là, ça fait rêver, on a l'impression qu'on va pouvoir nous aussi emprunter les petits escaliers et vivre la vie de château. À 15 km au large de Begmail, on peut découvrir un autre joyau de la commune. Avec ses eaux cristallines et ses plages de sable blanc, l'archipel des Glénans ressemble à un lagon des tropiques. Ce matin, le Penzer se dirige vers un site historique. Bâti à la fin du XVIIIe siècle au centre de l'archipel, le fort Cigogne est aujourd'hui en travaux. Première manœuvre délicate pour le Penzer, accosté entre les rochers qui affleurent. Dans l'archipel des Glénans, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il faut vraiment rester concentré et... parce qu'il y a des petits cailloux qui traînent, ça peut coûter cher tout de suite. Voilà, on est en position. Impossible de décharger à marée haute. Le Penzer va attendre 3 heures que les eaux du lagon descendent pour livrer sa cargaison sur le fort. Ce chantier atypique a été imaginé par Pierre Alexandre, architecte du patrimoine. Cette vue est, je trouve, belle, hein. C'est joli, hein. Alors ce qui fait aussi la caractéristique de ce fort, c'est que bien, sa géométrie est très originale. On a toujours en tête un petit peu les fortifications Vauban. Alors là, on est bien après Vauban, hein. On est dans les années 1755. Là, ici, ce sont des courbes. En fait, le fort, il s'implante sur une espèce de cercle de 80 mètres de diamètre. Et là, on a le front sud, qui est une succession de courbes convexes et concaves. Une forme assez originale, très bas, enfin, un fort très épuré. Bâti pour protéger l'archipel des pirates anglais, le fort Cigogne n'a jamais vu couler le sang.
Pierre-Alexandre se passionne pour l'histoire de cette forteresse bretonne. Les Glénans, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages de navires qui rentrent et sortent des ports de Cornouailles ou qui cabotent le long de la côte sud de Bretonne. Les corsaires anglais écument le rivage du royaume. Et ici, ils ont trouvé un endroit fantastique parce qu'il y a une couronne d'îlots qui crée comme une mer intérieure. C'était l'endroit idéal pour venir un petit peu s'embusquer et, par surprise, attaquer les navires marchands. À partir du XVIIe siècle, l'archipel est un nid de pirates qui s'attaquent aux navires, mais aussi à la population locale. C'est une ancienne ferme qui est maintenant utilisée par l'école de voile des Glénans. On sait qu'au 19e, toutes les îles étaient cultivées. Sur l'île de Drennec, on voit bien des bâtiments très très bas qui devaient pouvoir tenir les coups de vent. Les Glénans en hiver sont quand même battus par les vents. Aujourd'hui, l'archipel se présente sous sa forme totalement idyllique. Mais il faut imaginer bien sûr que la vie était dure. Tous les gens étaient isolés. Alors là, on passe à côté de Saint-Nicolas. C'était l'île la plus habitée parce que d'abord, il y a de l'eau potable, il y a des puits. Il y a des pêcheries, des presses à sardines. Il y a du monde. Mais la population est terrorisée, forcément, à cause des corsaires anglais. Dissuadés par les canons du Fort Cigogne, les pirates quittent l'archipel à la fin du XVIIIe siècle. Pour restaurer la forteresse, 3 années sont nécessaires. Mais les compagnons doivent faire face à une forte contrainte, car les travaux se déroulent dans une réserve naturelle. Est-ce que le Manitou passant à côté, je voulais juste m'assurer que vous l'ayez bien visualisé. D'accord. Isabelle Ricard est la naturaliste du chantier. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, ici on a le nid du triépied. Si on peut éviter de stocker par exemple du matériel juste à côté. Il y a du passage au bord de la cale, donc forcément, ils ont peut-être un peu pris l'option « je pars tranquillement, je reviendrai tout à l'heure quand ça sera calmé ». Mais on les voit, ils reviennent là, sur les cailloux. Ah oui, c'est amusant. Ouais. Donc ils sont tous les deux, le couple est là. Ils vont attendre sagement qu'on s'éloigne de leur nid pour revenir. Si vraiment il y a un dérangement qui persiste, le risque c'est aussi que le couple abandonne le nid en fait. Dorénavant, cette zone sera interdite d'accès. C'est la mission d'Isabelle, éviter que les travaux ne perturbent la biodiversité du Fort Cigogne. 33 espèces d'oiseaux vivent ici et elles sont en pleine période de ponte. Tous ces remparts-là, que ce soit au pied de rempart ou en haut de rempart, ils ne sont pas accessibles aux entreprises, en gros, de mars à juillet, début août. Donc c'est vrai que ça correspond aussi à la belle période pour effectuer des travaux. C'est tout l'enjeu de la restauration de Fort Cigogne, c'est concilier les travaux et le maintien de la reproduction des espèces. C'est pareil, on a un goéland qui s'est installé ici, dans la zone de passage. Bah oui. Il a profité de l'abri des parpaings pour se mettre derrière. Donc on va le laisser amener à terme ses petits, et puis on pourra terminer après nos dallages à cet endroit-là quand il aura fini. On fait avec, quoi. Il faut que tout le monde cohabite. Et on y arrive très bien.